Est-ce que si vous étiez dirigeant du PSG, est-ce que vous laissez partir Kylian Mbappé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien, sur cette chaîne, nous, on parle de foot. Sur cette chaîne, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, si vous étiez dirigeant du PSG, est-ce que vous laisserez partir Kylian Mbappé dans ces conditions? Parce que je te mets dans le contexte. Kylian Mbappé a envoyé une lettre à ses dirigeants en leur faisant savoir qu'il ne prolongera pas son contrat. Qu'il ne va pas prolonger son contrat. Et du coup, donc, les dirigeants ont dit, soit tu prolonges, soit on te vend cet été. Est-ce que les dirigeants vont appliquer? Est-ce qu'ils vont tenir leurs propos, selon toi? Si toi tu étais dirigeant, qu'est-ce que toi tu devais faire de Mbappé? Qu'est-ce que tu devais faire de Mbappé? Est-ce que tu devais le vendre cet été ou alors tu devais prendre le risque de le laisser partir la saison prochaine gratuitement? En tout cas, moi, si moi j'étais dirigeant, je devais vendre Kylian cet été. Je devais le vendre cet été parce que le maire refuse de prolonger. Le maire refuse de prolonger. Quitte à le laisser partir gratuit la saison prochaine, mieux tu le vends. Mieux tu le vends cet été. Donc, partage-moi ton ressenti. Si tu étais dirigeant, est-ce que tu devais vendre Mbappé cet été? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.